Démarrer l'enregistrement pour la vidéo à la demande de YouTube. Ah merde, il faut que je change ma déclaration de support technique. Enfin, support technique. Je suis plus sur PS3, je suis sur PC. C'est un PC, c'est une PC. Le jeu, State of the Decay, Je vais taper State, voilà, comme ça, hop, je pourrais pas me tromper. Le jeu est à jour, oui, il y a intérêt. Alors, State of Decay, année 1. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas le bon truc. Voilà, là, c'est le bon plan. Eh oui, mon cher Torota, tu avais eu la... What the fuck? Bah, c'est quoi ce délire? J'ai l'impression d'avoir la résolution du jeu complètement éclatée. Oula. Oui, bah on va faire le début. Oui, il y a eu un bug. Merci de m'indiquer l'horloge stoppée, parce que là, il y a eu un bug, en fait, dans mon interface, il y a un truc qui a sauté. Comment ça, profil One? Mais non, mais pourquoi je suis pas à l'SDN, moi? Ouais! Oh, et puis vu l'interface de me dire bouton... Ah, c'est à croire qu'on peut y jouer à la manette. C'est vrai que c'est peut-être un jeu console, à la base. Alors, merci de m'avoir indiqué la... L'horloge figée. C'est vrai que c'est important pour moi. Ça m'aide à faire les clips plus rapidement. Donc, je gagne du temps. C'est pas comme si je m'étais tué à programmer la chose. Eh oui, merci Dragon de Lorraine. C'est bien de me signaler toi aussi, de me dire que mon horloge était figée. C'est un scandale. Elle n'est pas censée l'être. Alors qu'Olive qui tue vient de pêcher un goujon. Bien joué. Continuez. Non, maintenant je vais faire démarrer une nouvelle partie pour... Attends, choix du profil. Je peux pas le personnaliser et me dire LSDN ou c'est numérique à la noix? Profil 1, 2, 3, 4 et... Bon, c'est pas la fin du monde. Allez, démarrer une nouvelle partie. Démarrer une nouvelle partie, écraser votre sauvegarde existante. Tu parles, ma progression, elle est de 0,1%. Mais si on loupe l'intro, ce serait dommage. Écoutons. Dans le monde pas merveilleux des Shukiyaki... Attends, mais pourquoi je l'ai pas en plein écran, lui? Je crois que oui, tu peux jouer manette. Oh, je vais jouer souris, surtout pour viser, je vais jouer souris et clavier. Maintenez haut pour accélérer, bas pour freiner. Ou reculer, oui, c'est logique. Voilà, ça c'est un vrai plein écran. Voilà qui me rassure un peu. J'aime déjà beaucoup l'ambiance et les roseaux au premier plan. Bordel des mèdes. Bon, c'est encore un jeu très fleuri dans le propos. Ah, il y a une agression. Ouais, patata, j'en règle. Vilain zombie, mourrez. Mourrez, Velastica. Tiens, oh. Oh, ça va être cru comme dans Dying Light. Un de ces tarés essaie de me mordre, mais ouais, je vais bien. Bon, une chose est sûre, on ne peut pas se contenter de rester là en plein air. Le poste de garde? Un poste de garde, on y trouvera peut-être de l'aide. Mais je crois ce bordel. On parle deux semaines et puis qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est mis au cannibalisme. Ça me dépasse. Il était à croquer. Beau gosse. Oh! J'aime bien cette table de... j'allais dire de parking. Cette table de camping. Oh, c'est à peu près le même modèle mais en pierre qu'on a au plateau. Je crois qu'il y a une version française, me dit Tom Ouf. On a déjà le sous-titrage français, écoute, Tom Ouf, sans offense, mais... Non, alors j'ai fait la bêtise, tu sais, d'installer la version américaine, mais sous-titré français. Écoute, je m'amuserai à faire le doublage. Oh, je vais faire mon nunuche, tu me connais, je vais m'amuser à faire des voix à la noix. Bon, je suis navré si c'est pas votre délire à vous, mais bon, ça m'amuse, na. Petit poisson. Voilà, ça c'est le lieu favori d'Olive qui tue. La pêche. C'est pas grave. Bah oui, tu me rassures. Heureusement, Tom Ouf, que c'est pas grave. Oh mon dieu. Navré de te décevoir.
Ah, ce carnage, ça va être horrible. Oh, les belles couleurs automnales. Attends, je vais me noyer là, faut que j'arrête mes âneries. On va essayer d'être plus poli que le jeu. Oh, c'est beau. Yabao. Ah, j'adore ce genre de paysage. Couleurs automnales. Génial. Colchique dans les prés fleurissent. Eh, pas mal les fleurs. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Mais j'hallucine. J'ai un moucheron qui a osé se poser sur mon genou. C'est une honte. Mais j'ai un truc qui me chatouille le genou. J'ai un moucheron déchaîné. Oh. Et pas mal les graphistes. Je suis en train d'admirer la flore. Olive qui tue dit, ouais, que le bon Dieu me pardonne, j'ai péché de nombreuses reprises. Excellent. Excellent, Olive. Très bien. Ah là là. Tali, ta la ta ta. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. C'est une madame bien ou c'est zombie? Non, c'est zombie. Oh, quelle horreur. Mais comment qu'il l'a... Oh! Tiens, si on allait se promener en forêt. Oh la vache. Quoi? Majuscule gauche. Et gérer votre inventaire à la page survivant. Ouais, fais pas de bruit. Peut-être qu'on peut passer sans se faire repérer. Maintenez F pour vous accroupir et être moins vu. Alors non, accroupi, je mets ça moi. Yeah, pas mal. Ah ouais. Mais arrête de parler, abruti! On essaie de se faire discret, ou il se m'a gueulé. Ah bah c'est pas malin. Oh! Comment il s'est penché en arrière? Quelle horreur! Alors attends, oui, accroupi quoi? Et puis attends, oh je sais plus. Attendez, il faut que je prenne mes aises. Oh! Je peux gérer la caméra comme ça, de manière un peu agressive. Faire un plan zoom. Alors, la touche inventaire. Applaudissements? Non, merci mais. Pour ce clip. Merci pour ce clip. Quoi? Merci pour ce Ah, merci Tomouf pour le clip. Oh! La carte. Ok. Le cercle bleu indique l'objectif de votre mission. Ah, il faut aller dans la maison là. Attends, j'essaye de me familiariser avec l'interface de jeu. Oh! Une lampe torche. C'est quoi ça? J'ai dû attribuer des touches, mais je m'en souviens plus. Oh, le roulé-boulé. Chest-il-ay. Je contourne les zombies ou j'essaye de les patater? Allez, au poste de garde. Bon, pour ouvrir l'inventaire, on y reviendra. Hein. Je vais attendre d'être dans la baraque pour ouvrir mon inventaire et fouiller mon sac à dos. Vivi, merci pour le clip. Et j'adore la flore. Franchement, les graphistes, là, ils ont été inspirés pour la végétation. J'aime beaucoup ce que je vois. Ça m'enchante, mais vraiment. Ah, c'est un belvédère, ça. Oh la vache. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on a une caravane qui a flambé. Alors, cabine du lac, la plage et une aire de pique-nique. Avec les horaires d'ouverture. Bon, visiblement, les zombies de ce monde post-apocalyptique sont pas mal abrutis. Et ils n'ont pas des capacités de détection top top. Hein. Entre Louis et l'odorat. Va mourir, petit camp! Très bien. Mais il a pas peur, lui, de choper les zombies et de les... Il doit maîtriser les arts martiaux, le mec. C'est pas croyable. Allez, les zombies, oubliez-moi. Ah! Mais accroupi, il passe pas le... Eh oh! Le trottoir est... Merde, j'ai entendu un... Oh, mince. Va mourir! Ah! Appuyez sur espace, pourquoi? Merde, j'ai même pas le temps de lire. Oh merde, il y a du monde dans la baraque. Aïe.
Merde. Alors attends, il y a combien d'accès dans la baraque? Il y a la porte de devant, mais est-ce qu'il n'y a pas une sortie de secours? Et la sortie de secours, elle est bidirectionnelle, elle est condamnée à un sens, elle est quoi? J'ai l'impression qu'il y a une autre porte. Attends. Non, reste accroupi, mec. T'excites pas. Ah, il y a une porte là. Alors le problème, c'est que c'est des portes vitrées. Et sur le côté. Ah bien, il y a trois portes. Ah, c'est intéressant. Ouais, mais à l'intérieur, c'est trop ouvert. Et puis, il y a beaucoup de monde. Oh, ça va être un carnage. Oui, la flore, j'adore. Oui. C'est ça. Appuyez sur Alt pour ouvrir la porte ou fermer une porte. Ok. Appuyez plus soit sur bouton gauche de la souris pour forcer une porte fermée. Oh, la vache. Ah! C'est scripté. Attends, il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce qui se passe. Eh bien, ils sont plus nombreux que prévu. Il faut qu'on fouille les dernières cabanes pour essayer de trouver des survivants, mais j'ai des blessés que dont je dois m'occuper. D'accord, on verra ce qu'on peut faire. Comment ça, nous? Merci. Il y a un château d'eau qui offre une belle vue sur le camping. Ça pourrait valoir le coup d'y grimper d'abord pour avoir un aperçu de la situation. On a des réserves dans le placard là-bas. Prends ce dont tu as besoin et fais attention à toi. Pique-nique familial cannibale. Rendez-vous au poste de garde du Montainer. Oui, ça c'est une gentille récompense pour dire on a fini le tuto de base. Vous avez rejoint une communauté. Appuyez sur majuscule gauche pour ouvrir votre journal et en apprendre plus sur les survivants et blablabla. Ah, mon Dieu, je vois des choses. Les cabanes sur la crête. Zone médicale. Château d'eau. Escaladez le château d'eau et regardez autour de vous. Ouch. Et il disait majuscule. Ouais, non, c'est pas mal de garder la légende. Majuscule quoi, gauche? Non, je suis pas sûr de mon coup. Mais... Alors, appuyez sur C pour afficher les noms des persos et utiliser des émotions. Ah, c'est la touche là. D'accord. Shella Brookstone, Wendell Higgins. Applaudissements. Good stuff. C'est très con. C'est bien, ils ont de la glace, ils ont des rafraîchissements. Ouais, alors attends, vas-y. Non, mais accroupis-toi, patate. Attends, j'ai du mal à gérer le mode furtif. Ça va, l'autre, il s'est pris une porte dans la tronche. Ah, il faut rester appuyé, d'accord. Et le château d'eau, ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Eh, hey, c'est beau, j'aime bien. L'ambiance de départ me plaît beaucoup. Ouais, ça fait réserve naturelle américaine. Alors attends, il y a une échelle. Le champ de vision est parfait là-haut. Ouais, tu m'étonnes. Psst, allez, monte. Oui, je peux accélérer la cadence. Oui, bah, on va éviter de se casser la binette. Et l'autre loustique qui me suit. Ouais, c'est bien. Il a pas le vertige. Eh, pas mal. Alors, bouton droit de la souris pour inspecter. Je vais jeter un œil aux alentours. Oh, il y en a des points d'interrogation. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Camping. D'accord. Ah, c'est là d'où je viens, je crois. Je crois que je viens de là-bas. C'est quoi ça? Toilette publique, ouais. Tu parles d'un centre d'intérêt. Ah, au-dessus de ton épaule, mec. Il y a une cabane. Oh, je vois des zombies d'ici. Il y a une autre cabane. Ok, cabane. Camping. Attends. Ah ouais, effectivement, c'est une toile de tente. C'est quoi ça? Une boutique de fournitures industrielles. Ah, un véhicule.
Pour peu qu'il y ait les clés sur le contact, oh, ça m'étonnerait. Ou alors les clés sont dans le pare-soleil. Un grand classique. Camping. Camping. Je peux voir ma maison d'ici. Terminer une activité de reconnaissance. Ouais. Ouais, sont des coups de feu. J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à passer une mauvaise journée. Et merde. Alors, ma carte. Quoi? Le coup de feu était là-bas? C'est pour la porte d'à côté? Oh merde! Alors, qu'est-ce que je fais? Faut déjà que j'établisse une priorité d'objectif. Les potentiels survivants dans les cabanes, mais vu le nombre de zombies, à mon avis, il n'y aura pas grand monde. Ou je me précipite là où il y a eu le coup de feu. Oh! Je serais peut-être bien d'aller voir là où il y a le coup de feu, en fait. Pousse-toi, mec. Si aide, barre-toi. Je veux descendre de l'échelle. Merci. Hé! Hey! Mais ça se fait pas! Mais ça va pas, non? M'a foutu des jetons, cet idiot. Attends, les coups de feu étaient par où? Oh oh, j'arrive pas à me diriger. Malheur à moi. Attends. Non, 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 il faut que je regarde. C'est par là-bas qu'il y avait les coups de feu. Attends, là je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de zombies, je vais pas rester accroupi toute la journée. C'est ce qu'on appelle avoir la tête dans le cul. Littéralement oui. Merde, il y a des zombies là-bas. Oh, si je saute par-dessus le... Bon, ce serait ballot de se faire écraser par une bagnole. Ah, j'adore l'ambiance. Foncer n'est pas vraiment une bonne idée. Par contre, j'ai du mal à me diriger. Ah, c'est un peu plus par là-bas. Non, non, pas mélanger vitesse et précipitation. Mais attends, c'est quoi? C'est des... Non, c'est pas des séquoias géants. Ah, pas mal les fougères. Oula, qu'est-ce que... Oh, mais attends, mais il y a un survivant là-bas, il y a une Rix. Barrez-vous. Maille-toi les fesses. Il y a un mec qui essaie de survivre. Attends, est-ce que je peux sauter? Ah! Non, non, je suis pas un zombie. Cessez le feu. Attends, il y a de la baston, là. Il y a de la baston! Mais ah, gâche pas tes munitions, je l'ai patatée au corps à corps. Calme-toi. Attends. Oh vache. Doucement, doucement, doucement. Oh ce carnage. Et arrête de tirer, tu vas en attirer d'autres, du nuche. Oh merde. Mais il y en a combien? Attends, Ed, tu pourrais pas t'occuper de l'autre qui était sur la droite? Encore que, oui, j'ai rien contre un coup de main. Oh, cette violence. Bordel, ça va? Tu veux dire, à part le fait d'être perdu dans les bois, d'avoir été attaqué par des psychopathes et d'avoir cru... Ouais, génial. Désolé d'avoir posé la question. Alors, qu'est-ce que ça craint autant partout? Bon sang, j'espère pas, il y a des survivants dans le poste de garde qui semblent savoir ce qui se passe, mais j'ai pas le temps de... Mais on n'a pas le temps de se repérer. Bon alors, retournons là-bas. C'est un temps, mais on a déjà des inventaires pour vérifier s'il n'y avait pas de survivants ailleurs. Oui, bah on y va à trois, restons groupés. Considère ça comme une revanche pour la fois où tu nous as des inventaires pour aller courir et lâcher le taureau à Pamplone. Pamplone. D'accord, tu veux prendre la tête ou c'est moi? Alors, vous pouvez passer de Maya à Marcus et vice-versa depuis l'onglet communauté de votre journal. Appuyez sur majuscule gauche pour...
Ouais, non, il y a un truc qui est pas clair dans mon interface. Genre, pourquoi ils mènent pas les gens à l'hôpital? Je sais pas, mec, cette situation est complètement merdique. Tu crois? Ce sera quoi après? Des fils barbelés et des tours de garde? En fait, c'est pas une si mauvaise idée. Il faut qu'on renforce la sécurité ici. Alors appuyez sur majuscule. Décidément, majuscule, c'est la joie. Pour voir votre base. Oui, non, mais attends, on la verra plus tard. On va retourner au camp, les gars. Suivez-moi. Maya, ça va, elle suit le rythme. Oui, non, ça va, vous m'avez pas écrit dans le chat. Et merde. Gros vilain. Alors descendre sans me péter une cheville, c'était déjà un miracle, mais là, remonter, c'est un peu sport. Ah! Attends, il y a un campement. On peut pas prendre des objets là? Fouiller, maintenir. Ah ouais! Non, on va éviter de faire plus de bruit. Oh! Sympa! A trouver quelques objets restants. C'est mon petit sac à dos. Ah d'accord! Bah, est-ce que je peux dire que je veux tout prendre? Comment on fait? Attends, l'interface est pas intuitive. Bah, c'est idiot. Endommagé. Ah, dommage. Attends, je comprends pas. Ah, prendre. D'accord, c'est dans le sens contraire. Petit sac à dos. Ah, cool! D'accord, j'avais déjà un petit sac à dos et j'en ai un deuxième. Donc je pourrais éventuellement le donner à un pote. Oh, ça me plaît beaucoup la logique de jeu. À gauche, c'est ton sac à dos. À droite, c'est les objets trouvés. Merci, Torota. Ça, c'est trop bien. Il ne reste plus rien. Effectivement. J'adore, il y avait un barbecue. Oula, attends, il y a un zombie. Hé, il y a une bouteille de champagne. Vous n'avez pas le droit de gâcher du champagne. Champagne, c'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Pourquoi j'ai pas le droit de... Attends, j'ai entendu un grognement de zombie, là. Ah, je l'avais même pas vu. Bien joué, les gars. Parler à Maya. Génial, je peux donner des ordres. Non, mais laisse tomber. T'es adorable, mais laisse tomber. Attends. Enfin, non, tu me suis, hein. Mais j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle allait rester au camp, la malheureuse. Et là... Attends, je vais avoir du mal à me repérer, parce que... Je suis... Là-bas. Ah bah, ça va me laisser le temps de fouiller un autre... Alors, fouiller... Mais d'accord, il n'y a pas de zombies qui approchent, hein. C'est moi ou c'est un bidon de flotte? Non, ou c'est un jerrycan? Oh! J'ai trouvé un cocktail Molotov! Yalash! Ah bah ça va, tranquille! Bah, ils avaient un groupe électrogène pour alimenter le... Oh! C'est pas mal d'avoir pris l'idée techniquement de mettre en blanc ivoire pétant les containers avec lesquels on peut interagir. C'est le jackpot! C'est un grand sac à dos, il y a un fusil dedans. Ah! Oui, t'as plus de place. D'accord, mais attends. Comment je fais pour m'équiper du prout-prout de grand sac à dos là? Attends, ou de beau gosse là. Minute. Attends, j'ai mal programmé. Ah, sauvegarde. Oui, tu peux. Attends, comment j'ai programmé mon inventaire, moi? Oh, il mange une pomme.
J'ai trouvé la touche, moi j'ai des pommes. C'est bizarre. Pause. Ma configuration de touche est perfectible. Inventaire. Attendez. Torche machin. Comment je fais pour gérer mon inventaire? Utiliser un objet. Ouais, non. Lâcher un sac à dos. Quelle drôle d'idée. Coup de portière. Ah bah merde alors. Journal, radio Z, carte X, social C, radio. Ah merde, j'avais mis tab ailleurs. Bah, EA tabulation, c'était quoi? EA tabulation. Ah, la torche. Non, la torche. Ah oui, si, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Mage, ça va pas. D'accord, ça c'est le journal. Ah! Ah, ça y est! Je suis en train de me remémorer le bordel. Attendez. Je suis en train de me remémorer mes touches. Dites-nous, mon unité et moi étions venus pour chasser le cerf. Tu es dans l'armée? Ouais, tu comprends vite, hein. Bref, on était sur le chemin de retour quand ces tarés sont sortis de ces eaux pour nous foncer dessus. Que s'est-il passé? Tu me vois? Tu vois Colton et Strand? J'ai fait le même calcul que toi. Enfin, fais le calcul toi-même. D'accord. Ah, il y a des trucs que j'ai pas encore, mais ça va venir. Ok. Mais pourquoi je peux pas aller naturellement dans l'inventaire et dire je veux le grand sac à dos? C'est ça que je comprends pas. Regarde alors bien aussi les sacs à dos qui peuvent avoir plus de place que d'autres. Bah oui, c'est ce que je constate, mais c'est, tu sais, dans mes touches, j'arrive pas à me dire accès à l'inventaire. Ce qui est un peu idiot de ma part, boîte poly. Non, c'est pas ça. Bah, dans les commandes, c'est quoi la commande de... Attends, j'ai journal, radio, carte sociale. Mais l'inventaire, je fais comment? Conduite, objet. Utiliser un objet, page du haut, objet suivant, plaque. Lâcher un sac à dos, mage. Utiliser un objet, c'est... Ah, c'est ça. 5 sur la souris. Lâcher un sac à dos. Parce que là, si je fais ça, bah oui, mais je peux pas alterner le... Ah, équiper. Mais du coup, ah, c'est quoi? Putain, c'est bizarre. Voilà, là, j'ai plus d'emplacement. Ouais, c'est pas évident. Il va me falloir un petit temps d'adaptation. Bon, là, c'était la buvette. Je pense pas qu'il y ait un truc dans le... C'est une poubelle, ça, oui. Ouais, non, il y avait rien dedans. Quelques déchets, ouais, bon, bof. Il y avait la glacière, et là, il y avait le réchaud barbecue. Alors, retournons au camp. Je pense que je vais donner... Attends, est-ce que je peux pas donner sac à dos aux copains? Ah, page de haut pour l'utiliser. MSBA, MSHA. MS pour mouse. Attends, laisse tomber. Ah oui, c'est ça. Pétard, osagé, cactal, molotov, fusée éclairante. Oui, mais non. Non. C'était pas... Mon idée était pas là. En plus, je vois qu'il y a une usure de l'arme. Ce qui est pas mal du tout. Et toi, va mourir.
Espace pour achever un ennemi à terre. Alors on va revenir au refuge, mais en passant par le parking. On fera moins de bruit. La 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 la. Dragon de Lorraine, petit rappel que le jeu est moins 18. Âme sensible, s'abstenir. Tu as parfaitement raison, dragon, merci. C'est rigoureusement exact. What the hell? Vous bordel. Je croyais que tu disais avoir des survivants ici. Ils allaient bien il y a une minute à peine. Apparemment, c'est plus le cas. Hé, hey, les gars, allez, de respecter cet endroit. Peut-être que quelqu'un a survécu. Ouais, bah, à mon avis, ils l'ont tous eu dans le cul, Lulu. Oh! C'est quoi, cet ourson? Oui, soupir. Hé! Hey, il est mort. Ouais. Bon, la scénette, elle est finie. Pauvre gars. Voyons s'il y a encore son portefeuille ou des papiers sur lui. Pour vérifier son identité, pardi. Ah, il est devenu zombie. Non, je suis pas pressé. J'ai bien fait pour ta gueule. Thomas est mort. Oh merde! Ce mec était mort, je te jure qu'il était mort. Comment c'est possible, bordel? Je sais pas, mec, mais ça n'a pas de sens. Il est ressuscité! C'est le démon! On peut pas rester ici. Allez, on prend ce qu'on peut, on se casse. Thomas est mort. Placard, ouais, Jev. Ouf! Ah ouais, compatible avec le fusil. Ah oui, 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 je prends. Ouf, ouf, ouf. Ah, je suis... Ah, j'ai pas vu. Il y a des onglets, là. Comment je fais pour passer d'un onglet à l'autre, d'ailleurs? Ah, faut cliquer dessus, tout bêtement. Alors, crochet en métal. De l'aspirine. Endort la douleur, mais inefficace pour les blessures graves. Vie. Alors, attends, ça c'est quoi? C'est endommagé. Oui, je veux bien le déposer. Et vous deux, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, une partie de pêche, une sortie de rituel honnête, du genre oublie cette vie de dingue et décompresse. Ah bah c'est raté. Et notre rituel de se faire draguer par des vendeuses sexy. Elle n'était pas si sexy, Ed. Non, faut pas faire attention à lui, il est jaloux, c'est tout. Elle avait une moustache. Une toute petite. Ah mon dieu. Le plan drague foireux. Ils sont marrants, eux. Je sens qu'ils vont me faire rire. Alors, quoi d'autre? Bon, ça c'est pété. Ah, c'est lourd ça. 5,3 kg. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'aime bien le côté, vous savez, gestion, mais cohérente. En disant, tu peux pas, de manière illimitée, prendre 50 trucs sur toi. Les pétards, vais-je vraiment en avoir besoin? Il vaut mieux les lancer avant de s'enfuir ou de se cacher. Oui, tu m'étonnes. Mais je sais pas si les pétards vont m'être d'une grande utilité. Je crois pas. J'en doute. Analgique, endort la douleur, efficace blessure grave. Aspirine, pareil. Sac à dos, je peux pas les donner aux copains. C'est dommage. Non, bah je vais les déposer. Ouais, bon. C'est pas mal. Attends, le fusil est énorme, quoi. Énorme. Ça me plaît bien. Aspirine, machin. Deux têtes. Je sais pas si tu te souviens, Torota, c'était disponible. Hein. Te dérange pas pour autant, mais... Est-ce que tu te souviens si je peux attribuer, par exemple, les autres sacs à dos aux copains, là, la Miss et Monsieur Casquette. Monsieur Ed Jones. Je serais tenté d'en faire des mules. Mais tu vas me dire que non, le jeu n'est pas prévu pour.
Alors, cette peluche. Please wipe your palms. Ah, c'est. Veuillez montrer vos mains, oui, dans le sens. N'essayez pas de faire l'entourloupe ou de braquer le commerçant. Tu dois mettre dans le frigo ouvert et changer de personnage pour récupérer. Ah ouais! Ah mais oui! Mais bien sûr! Merci Torota! Mais bien sûr, le jeu m'avait dit que je pouvais alternativement incarner les différents persos. Mais oui, faut que je retrouve la touche. Merde, comment on fait pour changer de perso? Mais c'est bien sûr! Exact, exact. Interaction utilisateur. Dans l'option précédente, lumière qui devient accéléré, combat, blablabla. Navigation, circuler, sprinter, sauter, infiltrer, rouler, interagir. Social. Il faut que je fasse dans le social. Il faut que j'appuie sur. Voilà! Je veux incarner. Attends, mais je peux pas le dessiner comme ça. Top dans ma main, toi! Suck it! Oh! Je ne m'attendais pas à ça. Mais non, mais je vais pas le viser, le pauvre. Attends, comment je dis que je veux l'incarner? Oh là, population 3, ça fait peur. Attends, il y a un truc qui m'échappe. Parler à Maya Torres. Viens avec moi, couvre-moi. Attends, ne peux pas vous accompagner pour le moment. Influence insuffisante. Ah, il y a un peu de politique, psychologie, j'aime bien. Ça va me rappeler les belles heures de... Ça va me rappeler les belles heures de... Midwinter. Ah, je sens que ce jeu va me plaire. Adieu, Capri, c'est fini. Bon, bah, c'est pas maintenant que je vais être gourou de secte, hein. J'ai peu d'influence sur eux. Merdoum. Attends, utiliser prout-prout pour afficher deux types d'objets. Non. Non. Attends, les flèches. Donc je navigue bien avec les flèches. Merde. Ah, il y a une subtilité de l'interface que je maîtrise pas, c'est ballot. C'est ballot. Là, c'est la carte. Alors ça, c'est bien la touche sociale, mais comment je dis que je veux changer de perso? Good stuff. Ah, non, ça, c'est les objets. Ça, c'est les objets. Oui, non, mais c'est bien de sauvegarder, mais... Non, ça c'est le coup de tirer. Il va y avoir un accident, hein. Je pense que je vais finir par tirer. Merdoum. Bon, je finirai bien par trouver un truc. Ou alors j'ai peut-être pas fini le tuto et j'ai peut-être pas le droit de tout faire. Mais j'ai un vague souvenir qu'à un moment il m'a dit dans l'interface vous pouvez changer de personnage. Mais j'ai pas compris comment. Bon, objectif suivant, on va essayer d'avancer un peu. Oui, allez voir s'il y a des survivants dans la cabane, c'est raté. Fuite, Montaner est foutu, il est temps de se barrer. Ah bon? Je prends une bagnole ou pas? Ah, attends, oui, il y avait ça. Les fournitures, le bâtiment blanc, là, il m'intrigue. Attends, il y a sûrement du matos là-bas. Et sûrement des zombies. Hop, je vais certainement pas fermer les yeux sur du matos qui me tend les bras. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de chien zombifié. À la Resident Evil, sinon je vais me faire dessus. Qu'est-ce que j'entends? J'entends des gémissements. Oh oh. Je sais pas, on a qu'à aller en ville et essayer de trouver quelqu'un. Ouais, ou bien... Ouf. J'ai pris le doggy walkie de ce gars, peut-être qu'on pourrait se contacter quelqu'un avec ça. Oui, c'est pas con. Bon sang, Ed, pourquoi tu ferais ça? Je sais pas, je me suis dit que s'il y avait une radio, c'est qu'il devait être en contact avec quelqu'un. Alors tu as volé un mort et t'attends à ce que des amis viennent nous aider? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les amis? Peut-être qu'ils n'aimaient pas ce type.
J'ai clé de camion dans la radio. Oui, oh merde. Oh, ils sont nombreux, ces idiots. Allô, tu m'entends? Yes. Écoute, on est coincé sur le container. Mon ami a besoin de soins. Tu peux nous aider? Alors, vous pouvez venir à Space Me ou à machin, quoi. Si ton ami te fait trop louche, blablabla, l'église de Space Me, nous sommes en route. On va essayer de ne pas avoir l'air trop dangereux. D'accord, et après? Ah oui, attends, maintenir pour fouiller. Appuyez sur... et gérer votre inventaire, page, d'accord, oui, majuscule gauche. Est-ce que j'ai le droit de cumuler? Oui, non. Oui, yes. C'est... Le jeu est gentil. Le jeu est gentil, c'est la vie. Attends, c'est un groupe électrogène, c'est un même machin, oui, c'est un mini garage quoi. Non, il y a des trucs à fouiller là-dedans. Il y a quoi? Bouf. On dirait un truc de maçonnerie là, le grand seau pour les déchets, le reste c'est peut-être du bricolage pour faire des étagères. Oh, une machette, je la veux. Ah oui. Ça me plaît. Ouch. Ah oui, ils avaient essayé de barricader le... Alors attendez, on est trois. Le pick-up. Quelqu'un monte à l'arrière. On va être galant. On va essayer la... Maya, elle va monter à la place du mort. Et... Oh, mon pauvre. Mon pauvre qui est blessé, je crois que tu vas t'allonger. C'est ça. Non, pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Désolé, Maya. Ouf. Alors attends. Ah, faut que j'apprenne à conduire, au secours. Ah. Norma. Bah moi je vous dis, cette conduite n'est pas normale. Les zombies non plus d'ailleurs. Ah. Oula, 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 oula. Oh, évidemment ils sont en fer ces deux-là. Oh, c'est horrible, quelle horreur. Attends. Ah. 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 Ça craint du boudin. Mais non, mais... Ah. Tout le monde descend, Terminus. Oh merde. Ce guet-apens. Oh la vache. Je suis dans la merde. Attends, oui, derrière vous, oui. Bon, bien joué. Oh, la physique réaliste avec les corps qui sont emportés par l'eau. Quelle horreur. Bon, j'ai eu l'idée la plus débile au monde. Qu'y va là, lui? Après ça, on fait quoi? Tu crois que je peux... Oh non, je peux pas récupérer le... Oh là là là, c'est une catastrophe. Non, bah oublions le véhicule. Ça m'apprendra. C'était évident que l'accès allait être condamné. Bon, on va passer par l'autre rive. Je sais pas trop comment. Ah, là-bas. On peut faire de l'escalade. On dirait un escalier géant. Mon toit va mourir. C'est moi ou le véhicule là? Oh merde. Ah, bah l'état du véhicule était plus endommagé que je ne pensais. Bon, bah c'est bon, on peut faire une croix dessus. Oh, c'est con, stratégiquement c'était intéressant d'avoir un véhicule. Écoute, enfoiré, on veut pas d'ennui. Ok, les dialogues sont d'une richesse inouïe. Comment je fais pour... Ah, merci. Lara Croft, on t'a reconnu. Ah! D'accord. Si tu veux... Ah, mais j'ai souvenir que t'as eu des bons fous rires. Nous te rejoignons. Tu disais que tu te trouvais dans une église. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as pas entendu? Il n'y a pas de réception au lac. On ferait bien par commencer par ça. J'ai souvenir que t'as eu des bons gros fous rires, Torota, en nous jouant. Il n'y a pas de réception au lac, donc non, peut-être qu'on n'est pas au courant.
Tout ce que j'ai, c'est que des tarés ont essayé de nous bouffer. Ça a commencé il y a 12-13 jours. Au début, on entendait juste des drôles d'histoires aux informations. Des mutilations, des incidents violents dans les hôpitaux, des hélicoptères noirs dans le ciel, plein de trucs bizarres comme ça. J'imagine qu'ils essayaient de nous cacher la vérité, mais ça n'a pas tenu longtemps. Les gens ont rapidement tout découvert. Les gens qui meurent ne restent pas morts. Ils reviennent sous la forme de ces choses. Je t'avais dit que ce type était mort. Apparemment, le seul moyen de les tuer pour de bon, c'est une balle dans la tête, sinon ils continuent d'avancer. Oui, c'est très zombiesque. Qu'est-ce que tu penses de ces choses sont des zombies? Bah oui. Je ne sais rien. Peut-être une sorte de virus complètement muté, ou des radiations venues de l'espace, ou de la magie noire, ou de la colère. Je ne sais quel dieu tout puissant. Je sais pas. Plus que toi. Attends une minute, que fait le gouvernement face à cette situation? Ils n'ont pas envoyé la garde nationale ou je sais quoi? Le gouvernement? Tu ne comprends pas, c'était le chaos total. Pas maintenant. Oui, merci. Magnifique. Où êtes-vous? Au lieu de départ, ils sont... nous ont juste dit de rester chez nous et quoi? Oh là, oui, pas maintenant, effectivement. Où sommes-nous? Au départ, ils ont juste de rester chez nous, de fermer les portes et d'attendre la fin de l'alerte. Puis le courant a été coupé, personne n'a jamais sonné la fin de l'alerte. Voilà, voilà. Ah bah voilà! Voilà un véhicule plus confortable. Attends, pourquoi on est deux? Ed, il est mort? Merde! Ouh! Il est mort de ses blessures ou Ouh! On était trois! Ah merde! Il est trop blessé, il peut pas escalader! Oh la boulette! Attends. Population 3. Oh merde, un zombie! Donc bon à savoir, les points orange sur la carte, c'est les... c'est les... Oh, fais l'œuf et la poule! Il est tellement blessé qu'il... Ouf! Il est tellement blessé qu'il peut pas escalader, en fait. Enfin, si j'ai compris. Bah, il est où, ce con? C'est moi ou il y a un bug? La carte me dit que Ed est à côté de nous, mais je le vois pas. Il est pas mort, quand même. Mais non, ça c'est des... d'infâmes zombies. Attends, je comprends pas, là. Bah, il y a un bug. J'ai ma flèche et j'ai deux points bleus. Donc ça voudrait dire que Ed est avec nous, mais il est pas affiché. Je comprends plus là. Bon, on va voir. Je vais miser sur le fait que le jeu va peut-être téléporter l'intéressé. Je vais me barrer en véhicule parce que. C'est bizarre. Pardon pour ce moment de flottement, mais c'est vraiment bizarre. Bon, je prends le volant. Et c'est comme ça que Ed finit abandonné dans la rivière. Je comprends pas. Ah merde. Oh là 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 là. Il y en a de la route à faire. Va pas trop vite. On va éviter d'exciter les zombies. Frein à main. Un coup de portière. Ouais. Ah, si on roule tout doux. Ah non, on va pas rouler tout doux. Ah! Mais non! J'arrive pas à maîtriser le véhicule. Merde. Oh, ça craint. Si j'arrive pas à maîtriser le... Va pas trop vite. Va pas trop vite. Oh la vache!
les exciter. Mais je pense que j'étais victime d'un premier bug, hein, parce que le pauvre Ed qui est devenu transparent et qui est attribué à la rivière, je pense qu'il y a eu un loupé là dès le départ. Et ben c'est beau par ici. Alors attends, par où faut que j'aille? Stop, 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 stop. Ça va, il n'y a pas de zombies? J'ai un B. Alors on continue sur la route principale et puis à la prochaine intersection. Ouais, ok. Alors le barrage ne me plaît pas du tout. La. Oui, on va aller servir la messe. The Church, Church of the Ascension. Oh, l'église de l'Ascension. Ah! Il m'a fait peur ce zombie. Lily, Alan, c'est toi qui as invité ces étrangers? Bien, vous avez réussi. Cela, je m'appelle Ed, enchanté. Suis-moi, fils, nous allons nous occuper. On a assez d'ennuis sans permettre à notre profiteur d'utiliser tous nos médicaments. Merde alors. Très sympa, Alan. Je leur ai refait un abri. Je les laisse entrer. Nous, les parasites, nous devons rester ensemble. Cette fille a autant de jugeotes qu'une souche d'arbre. Pire que ton frère. Ça parle mal. Allez, je vais vous faire visiter. Merci, Mlle Lily. Déferlement sacré. Mon succès, c'était de rejoindre l'église. Vous avez une nouvelle base. Appuyez sur majuscule pour ouvrir le journal et afficher réserve de possession et... D'accord. On va suivre Lily. Oh, il y a 8 personnes. Merci. Ça tombe dans les gueules. Je passe la plupart de mon temps ici à utiliser la radio pour coordonner tout le monde. Oui, bah t'as raison, Lily. Oh là, elle est modeste, l'église, ils ont viré tous les bancs de prière. À moins que c'était les apparts privés du prêtre. Maintenant, la cuisine, Sam est notre chef privé, mais bon, tout le monde sait cuisiner les soupes en conserve et les couennes de porc. Plus sérieusement, règle numéro 1, toute la nourriture reste enfermée ici. Tu ne peux pas imaginer à la vitesse à laquelle les rats s'en chargent, sinon on l'a appris à nos dépens. On l'a appris à nos dépens, pardon. Ok. Les chambres. J'espère que ça ne te dérange pas de partager ta chambre. On est plutôt à l'étroit ici. Alors, Alan a dit qu'on devrait se trouver un endroit plus grand, mais mon père est charpentier et d'après lui, on pourrait construire une sorte de dortoir pour... Combien de personnes dans ici? Je crois que tu as fait la connaissance de tout le monde, à part peut-être mon frère et mon père. Ils sont partis chercher des provisions, je crois. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles depuis un moment. Pasteur William, du calme, mon fils, comme si on m'avait passé une foutue débroussailleuse. Quoi. On a peut-être quelque chose contre la douleur, mais c'est plus la fièvre qui m'inquiète. Ça pourrait être un signe d'infection, dit le pasteur William. On a besoin que le docteur Hanson passe nous voir. Je vais essayer de le contacter par radio. Merci, je apprécie l'hospitalité. Alors, ne négligez pas le don de l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Oh là là. Je sens qu'on va avoir droit à plein de sermons. Qui sait, je pourrais être un ange. Sacré aide. Et ça, c'est le pasteur. Alors, que Dieu te protège. Viens avec moi, machin, laissez tomber. Adieu. Bon, c'est bien, il se repose. Il a été extrait de la rivière. Shérif, lui. What's our sit rep? Mm-hmm. See ya. Yeah, yeah, yeah. Attends, accompagner Lily.
Alors, écoute, je voulais pas te dire ça devant ton pote, mais la fièvre n'est pas bon signe, surtout après une morsure. Le pasteur Will va essayer de trouver le docteur Hanson et de faire venir pour qu'il l'ausculte. Si je ne prends pas d'antibiotiques, il s'en sortira probablement pas. Si d'en arriver là, je promets qu'elle s'occupera de lui, une balle dans la tête avant qu'il ne devienne zombie. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon sang, Lily, c'est pas un chien enragé. Tu comprends pas? Nous comptons plus de morts que de survivants. On ne peut pas plus faire dans la compassion. Il nous faut des médocs, de toute façon. Tu peux pas tomber malade, tu comprends? Personne ne peut tomber malade. Alors, c'est ça, hein. Ravi de te rencontrer. Tu préfères qu'on se tire une balle dans la tête et qu'on te chasse à coups de pied au cul? Non, écoute, on s'en sert à peine ici, les médicaments. On sent la première chose à être parti. On n'en a pas pour ton ami. Je suis désolé, c'est comme ça. Et elle adore me claquer la porte au nez. Et si j'en trouve plus, ça t'aiderait à payer notre dette? Soupir, ouais, d'accord. Si tu me trouves un endroit où on peut récupérer des médocs, on fera une place pour toi, pour ton pote. Il s'appelle Ed. Je sais. Si tu as besoin de t'approvisionner avant d'y aller, jette un œil au placard. Personne ne te dira rien si tu fais ton boulot et que blablabla, mais ne prends pas ce qui ne te revient pas. Inspection quand même. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que ça va être difficile de partager. Il y a une tour de transmission derrière le swine et blablabla. Peut-être que tu récupères un endroit où trouver des médocs. Ah oui, il repère un endroit où il y a des médocs. Oui, tu m'étonnes. Grouille, je sais pas combien de temps je vais pouvoir maîtriser Alan. Oh. Déjà des objectifs chronométrés. C'est quoi ça? Ah, c'est du café. J'ai du coffee, le chacochin coffee. Petit sac à dos. Nananananer, moi j'en ai un grand. Ah merde, la nuit tombe. Les boules. Et ah, ça va devenir un jeu d'horreur. Enfin, c'est déjà un jeu d'horreur quelque part, mais. Avec les zombies, mais là on va bien flipper. Shérif, fais-moi peur. C'est pour ça que tu dois tout mettre dans le frigo et pouvoir te servir tranquillement avec un autre personnage. Ouais, il faut que j'apprenne ça, tu as raison, Torota. Alors, il y a la gestion du jour et de la nuit. Bon, bah la nuit, j'espère qu'il n'y aura pas de creepers qui vont apparaître. Infestation découverte. Bah, j'aurais fait connaissance à eux ou pas? Bande de crétins, à quoi ils s'attendaient? Peu importe. Si on ne trouve pas rapidement plus de nourriture, il va y avoir des émeutes. Eh, attends, il y a des baraques à visiter. Il y a sûrement du matos à ramener. Stratégiquement parlant. Attends, je suis à côté de l'église, je peux prendre le risque de me barrer dans les baraques, non? Mais eh, tu veux ou tu veux pas, là? Après, on descend de patate. Il a un air, le héros que j'incarne, il me... Ça me titille, j'ai l'impression de potentiellement reconnaître quelqu'un que je connais, qui lui ressemble, mais qui, je pourrais pas dire. Bref. Ah si, peut-être un peu un ancien camarade de BTS. Je suis trop tenté de fouiller les baraques. Comment avez-vous tous fini à l'église en fait? Bah, je sais rien, au début, ça nous semblait être l'endroit où aller, tu sais, la fin du monde, tout ça. C'est alors qu'on a découvert à quel point la situation était horrible, certains ont essayé de faire cavalier seul, mais ils ont fini, voilà. On est tout simplement resté ici après ça. Vous 6? Non, on était 12 à la base. Oh la vache. Te prends pas la tête pour essayer d'ouvrir la porte, mec. Alors, petit conseil, si un personnage meurt, c'est définitif. Si tu vois que ton perso est très faible, change-le à la base. D'accord. Oh merde! Laisse-moi te biffer toute la nuit! Laisse-moi te patater! Oh putain! Comment qu'il m'a bondi dessus, l'autre, comme un fauve.
Hop, j'ai pris des analgésiques, je me sentirai mieux. Attends, il n'y a personne derrière. Je suis vraiment tenté de prendre le contrôle de la baraque. Putain, ils sont deux là, ça va être chaud. Ah! Putain, mais je l'ai pas vu! C'est ma première mandale partie! Je vous balance des coups, j'ai pas fini. Aïe, 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 aïe. Ah ouais! Oh non, 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 pas par derrière, saligo! Il n'y a pas eu de préliminaire, c'est dégueulasse. Ah, je peux fouiller le... Ah non, c'est le meuble, pas le zombie. Attends, avant de fouiller, je ferais peut-être bien de visiter les autres pièces, non? La diable. Alors, ressources, boîte de snack, café. Eh ben, prends. I'll run this on. A bientôt. Comment ça, boîte de... Pourquoi je peux pas prendre? Attends, j'ai pas compris là. Ça avait l'air d'une grande maison, il y a qu'un seul étage ou... Oh merde, attention. Ils ont abusé sur l'effet yeux rouges. Hein. On dirait des Terminators, les zombies. Pour lâcher des sacs à dos. Non, non, non. D'accord. J'aime bien la logique du jeu. Ça me plaît beaucoup. Oh, une cocotte de travaux. Cône de chantier. De son nom complet. Alors j'ai beaucoup réfléchi dernièrement et j'ai pensé à quelque chose. On y connaît que quoi? Attends, quoi? Je veux dire en termes de survie à long terme. Bon, j'ai des vieux carnets de mon père, je suis sûr qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà travaillé dans une ferme. Mais si on devait avoir des ouvriers de référence, on pourrait bien faire plus. Tu crois vraiment que j'ai autre chose à faire? Oh merde! Alors, puisque on n'a plus internet, je me dis qu'on devrait commencer à rassembler une bibliothèque de référence. Des livres sur le jardinage, électronique, menuiserie, tout ce qui pourrait nous être utile. Oui, elle a raison. Il faut qu'on commence quelque part. Qui c'est qui met en déco de la bouffe? Non, mais c'est pas inspiré, ça. C'est débile. Encore, on serait dans un fast-food, je dis pas, mais... Ah, merde! Je pensais que c'était une pièce intérieure, pas extérieure. Oula, refermez-moi tout ça, c'est dangereux ici. C'est même limite s'il faudrait pas la barricader, cette porte. Bon, ce meuble là en blanc, je l'ai pas fouillé. Y'a quoi là-dedans? Ah, oh, je pensais qu'il y aura un étage, mais non. Ou alors j'ai pas vu, à l'américaine, il y a peut-être une trappe à la verticale à mettre une échelle pour avoir. Oh! Un revolver. Oh, cocktail molotov. Et des pétards. Il n'y a pas d'accès à un potentiel grenier, même de cave d'ailleurs à l'inverse. Non, apparemment c'est un seul étage. Oh la vache. Non, il n'y a rien d'autre. Bon, bah on va rentrer à la base. Bah c'est déjà pas mal pour une première fouille de baraque. Surtout que je me suis déjà fait mort plusieurs fois, donc ça craint. Comment ça que se passe? J'y suis presque. On te prépare une bonne bière fraîche. Trop aimable. Ouf! Cette frustration dans ce... Oh merdoum. Merci. Vive la fermeture automatique. Putain, faut gérer le moral des troupes. Énorme. Ah, il y a des petits airs de... J'aime bien. C'est irresponsable. C'est la famille Jacob Thomas, ils se sont baptisés. C'est pas la première fois.
Ces deux-là vont se faire tuer par un de ces quatre. Pour Jake, ce sera pas une grosse perte, mais Thomas se sert plutôt bien d'un flingue. T'as pas de cœur, enfoiré, tu sais ça? C'est pas en se tenant les mains et en chantant en gospel qu'on va rester en vie. Les gens doivent en avoir bien conscience. Oui, c'est pas faux, mais bon, bref. Alors, gestion d'inventaire. Pidi, pidi, pidi. Et voilà, blablabla, mon héros. Oh là là. Oh là 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 là. Prout prout. Alors attends. Ah, j'en ai 5. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi 5 et 7? C'est la qualité du truc? Ah, la valeur monétaire peut-être. Pour faire du troc. Peut-être bien. Peut-être bien. Je vais garder le fusil. Je prends le risque de prendre le flingue bien lourd, mais au moins j'ai des munitions. Je peux me défendre au flingue si ça tourne vraiment mal. Aspirine. Analgésique. Ouais. Merde, ma machette est déjà pétée. Oh. Voilà, la réparer. J'ai du coffee. J'ai du coffee. Le chacrochin coffee. Le coffee de la vie. Je présume qu'à un moment je pourrais réparer les armes. Ça va être une compétence qui se déverrouille, leur fistolage d'armes. C'est quoi ça déjà? Ah oui, des snacks. Manger pour augmenter temporairement votre énergie. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Eh ben, c'est pas de la tarte. Ah, le moral est à la hausse parce que je suis pas revenu les mains vides. Alors, faut vraiment que j'apprenne à changer de personnage. Ah! C'est quoi cette horreur? Infestation, des hurleurs. Tâter du terrain. Rechercher un endroit où se trouvent des médocs. Ah bah, j'ai pas fini de cambrioler des baraques, dis donc. Si je dois faire tout le quartier. Wouah! C'est pas mal! Waouh! Et je viens de là-haut, c'est ça? Ouais, ouais, où j'allais pêcher, peinard. Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais! Sympa. Ah, ils ont des jolis lacs. C'est bizarre, ça, le lac en forme de C. Waouh. Mérite d'être intriguant. Vous irez peut-être... Quoi? Préparation pour la grippe. Quoi? Préparation pour la grippe. C'est quoi le délire? Attendez, j'essaie de comprendre l'interface du jeu en même temps. Point de navigation, objectif. Waouh! C'était quoi le coup de feu? Qui c'est qui a tiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors? Ouh! Ah, vous êtes dehors! Bah merde! Ça va pas claquer les portes comme ça, j'ai cru que quelqu'un avait tiré un coup de feu. Oh non, il est complètement foutu, je peux pas voir ce qui arrive. Je sais pas. Si on trouve pas rapidement plus de nourriture, il va y avoir des émeutes. Attends, mais c'est quelqu'un qui... C'était bien un coup de feu! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que j'entends? On est d'accord, c'est pas à l'intérieur de l'église. Ah, c'est toi qui tire! Elle a un fusil en main, la miss! Attends, Maya, tu peux m'expliquer? Oui, coucou, coucou. D'accord, tu tires à vue sur les... Ok, 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 ok. Eh ben, dis donc. Tiens, d'Ivoire, le véhicule qui est le vôtre, je m'interroge, vous avez fouillé ce qu'il y a dans le coffre ou pas? Mon sens, cet endroit est géré par le monde de crétins ou quoi? À quoi il pense? Ah non, c'est un pick-up.
Ah, pas mal. Éclaire une zone utile pour repérer ou éloigner les zombies la nuit. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, j'aime beaucoup les possibilités qu'offre le jeu. Et on est d'accord que les zombies, ça se rouille pas, quoi. Non, il m'a remis un zombie au même endroit? Vous êtes sérieux, les gens? Waouh, cette ambiance, elle est unique. Va mourir! Oh, quelle horreur! Allez, on va essayer de se faire une autre propriété. C'est horrible. Celui qui finit d'écumer toute la rue a gagné. Ah, ça me rappelle que j'ai un jeu, oserais-je dire un simulateur, un jeu de cambriolage. C'est horrible. Coffre du véhicule. Non, il n'y a rien non plus. Oh la vache! Il y en a du monde. Attendez. Voilà, je crois qu'il est buggé, lui. Ah oui, mais... Attends, il est buggé, lui, je peux pas là. Non, non, il est buggé. Un petit souci de collision là. Merde! Ah! Oh, quelle horreur. Children. Ah oui. Circuler lentement parce qu'il y a des gamins qui jouent dans la rue, tu m'étonnes, c'est un quartier résidentiel peinard. Ah, oh, c'est atroce. Oh, cette violence. Oh, ils ont une petite balançoire. Qu'est-ce qu'ils ont à se cogner la tête contre les murs, eux? Merde! On va jouer des coudes! Ouf! J'ai fait un petit peu beaucoup de bruit! La 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 la! La petite bonhomme à mouche! Non, ça va? Bonjour! C'est le factor! Attends, en mode ninja, je peux oser? Ah, tuer un zombie instantanément. Non mais là il me fait face, ça a pas marché. Oh, pas mal l'idée de tout mettre en vitré. Alors intimité zéro, mais pour mater ce qui se passe dans la rue, c'est pas mal. Alors c'est le genre de pièce, il faut pas oublier que si tu sors de la douche, t'es à poil, tu sais, tu commets l'erreur de prendre un peu trop de tes aises et puis tu t'exhibes accidentellement. Cette violence. Oh, je suis pas tué de Kawateka. Monsieur Kawate. J'aime beaucoup. Oh là là. Disque du bœuf. J'arrivais même plus à passer l'encadrement de porte, là, le chambranle. Oh merde. Non, je rêve, il m'a pas vu cet abruti. Ah, je pourrais barricader. Non, mais là, il y a un bug, là. Alors là... C'était ridicule. Mais vraiment. Ah, on peut barricader les... Oui, je me souviens que t'avais fait ça, Tota. Dans ta partie. Transformer quelques bâtisses en forteresse de fortune, c'était pas con. Oh, Burke, c'est quoi au mur? C'est vert... vert fluo. Oh. Ah, Burke. Alors après avoir exploré un certain temps, vous êtes crevé. Ce qui diminue ton taux de résistance. Oh, les peaux de vache.
Ce qui veut dire que je suis obligé de gérer ma... aussi mon sommeil. Non, bah attends, on enferme. Je voulais être sûr que c'était hein, l'extérieur. Alors là, qu'est-ce que je gagne ici? J'aurais peut-être dû rester accroupi, mais bon. Sympa, franchement. Il y a du suspense, hein. Oh! De la bouffe. De la bouffe. J'ai pris ce que je pouvais, retrouvez-moi à la base. Oui, à bientôt. Mais attends, je vais en prendre encore. Support de microphone. Quoi? Ah, c'est une arme lourde, un support de microphone, d'accord. Une bombe incendiaire, ouais. Oh, grand sac à dos. Quelqu'un va adorer avoir ça. Oui, bah je vais pas revenir les mains vides, merdouille, je vais prendre ça, moi. J'aurais pas fait le déplacement pour rien. Attends, ouais, marche accroupi, mec, parce que... Si je pouvais éviter de me faire repérer, ce serait sympa. Ah merde, j'avais pas vu que la porte était ouverte sur l'extérieur encore. Enfin, vous me direz, je viens de là, mais... Et là, il y avait rien. Oui, non, c'est la pièce exhibition, là. Bon, on va pas juger les goûts de certains, hein, au niveau de décoration de baraque, voilà. J'ai un peu les yeux qui ont tiqué entre le choix de la... Ouf. Il y a des hordes. On se croirait dans le clip de Michael Jackson, là, à nouveau. Twitter, 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 Twitter. On pourrait probablement renforcer nos défenses juste pour être en sécurité. On n'a pas assez de gens pour protéger les murs. Recruter des survivants, une population plus importante nous intéresse aux attaques zombies. Ouais, alors attends, j'attends que la horde passe. Oubliez-moi! Je ne suis pas là! Je ne suis qu'un arbre qui parle. Je méga kappa. Horde de zombies signalés. Mais non, mais hé! Mais ça va pas, non? Au secours! Ils m'ont repéré, c'est pas possible! Mais j'ai pas fait de bruit, c'est pas logique! Oh non, au secours! Oh merde, il est crevé! Cours, Forest, cours! Ah! Ah! Ça tombe très très mal! Vite, 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 vite! Non, je vais crever! Mange, 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 mange! Eh, au secours! Mais relève-toi, abrutis! Ah, qu'il est con! Vite, allez, ouais! Oh là là, mais c'est terrible! Oh, c'est horrible! Ah, mon dieu! Alors, les jeux suivants sont disponibles. Ah oui, c'est bien, tiens, je me souvenais pas que j'avais fait ça. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Oh, alors là, je suis choqué que la horde m'ait repéré. C'est honteux. Là, le mec, il parle mal. De toute façon, j'aimais pas ce mec. Alors, Marcus a joué quelques temps après le début de tout ça. Donc je présume qu'un peu plus tard, j'aurais aimé mieux le connaître, en l'instant drama. Ah Lily, ça me ferait suer de la perdre. Hein. Ah, ça me ferait suer de la perdre. J'aime bien la petite Lily. Attendez voir. Ah ouais. Bah une fois qu'ils l'auront bouffé, je pourrais peut-être... Ah la vache. Ah, trop bien! J'aime beaucoup le jeu, franchement j'aime beaucoup. Ah, c'est d'une cruauté. Tu as impressionné beaucoup de gens, tu sais, tu pourras t'approprier en meilleur matériel, je pense pas qu'il compte un inconvénient. Oui, non, je pense surtout qu'il va y avoir des... Encore pas mal de zombies autour de... du malheureux. Alors, petit sac à dos. Ah merde, j'en ai que des petits. Alors, elle se bat au fusil à la hache. Elle a des snacks, elle a des balles, et elle a du jeu. D'accord. Bon, les snacks, elle peut les déposer... ouais, elle peut les déposer dans le frigo. Ouais, prends voir une arme de secours. Ça me rassurerait. Oh la vache, ce jeu! Shit, c'est trop bien.
Ah, c'est équilibré, c'est réaliste. J'aime beaucoup. Oh putain. Presque envie de dire préviens quand tu tires. Alors. Ah ouais, non, mais là, ça va tirer la populace, là. Ah, elle tire sur la horde, peut-être. Ah ouais. Allez, encore une chance. Feu. Le temps qu'elle recharge. Ah non. Bon. Ah bah, bien. Efficace, la hache, efficace. Alors, le malheureux est mort. Le malheureux est mort là. Il y a encore des zombies qui le bouffent ou pas? Il était un croquet. Ce que j'irai de toutes les victimes précieuses. Alors, ramasser le sac à dos. Ouf. Ouais, il faudra que je revienne. Ouais, il faut que je fasse plusieurs allers-retours parce que. Il y a tellement de matos que c'est lourd. Très très bien. Très très bien, très très bien. Alors je vais pas tarder pour varier les plaisirs, je pense d'ici une demi-heure à changer de jeu. Mais hors antenne, à un moment, il faudra que j'essaye de voir comment on fait pour changer de personnage. Parce que j'ai pas encore saisi la logique de passer d'un perso à un autre. Alors si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, Rota, il faut que je sois dans le frigo de la base pour pouvoir changer de perso. Alors attends, elle a déposé tout le... Donc c'est bon, là, visiblement, elle a vidé... On peut le dire, elle a vidé son sac. Elle a déposé le truc. Ah oui, comment on fait pour changer de perso? Non, non, remets les balles de fusil, je m'en fous. Ouais, remets les balles de fusil, là, je m'en moque. Je sais pas, faudrait que je comprenne le jeu de touche. Alors, attends, on va aller rechercher les affaires du malheureux. Je comprends pourquoi le jeu a eu son succès. Que c'est en train de devenir une authentique saga, puisque le troisième opus est en préparation, hein, si je dis pas de bêtises. The Stay of the Decay. Bon, je me permets de vous rappeler que ce premier opus est pas jouable en multi, contrairement au suivant. Mais là, pour une initiation à l'atmosphère de l'ambiance post-apocalyptique, c'est extra. Oui, on vous attend à la base. Alors attends. Merde, je sais plus comment je fais pour voir ce que je. Oh, je sais déjà plus. C'est pas grave. Allez, je retourne à la base. Ah, elle m'a l'air moins lourde. Je trouve qu'elle court plus vite là. Une drinquette. Comment que ça se passe? J'y suis presque. On te prépare une bonne bière fraîche. Hé, hey, arrêtez de dire ça! J'en ai deux qui m'attendent au frigo, moi, de bière fraîche. En vrai, je vais sûrement m'en siroter une tout à l'heure. Et spring. Chiki spring. Voilà, effet personnel, a retrouvé le sac à dos d'un allié mort. Ça réconforte un tout petit peu le moral. Mais comment ils sont rentrés jusque-là, eux? Barricadon. Attends, la ressource est illimitée en barricade ou pas? Ouais, barricader. Ouais, c'est un peu léger, hein. Bon, je devine que les ressources sont limitées, mais j'appelle pas ça véritablement barricader. Ouais, bon, déjà la qualité de ces planches-là sont meilleures, mais. La 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 la. Bon ben on va prier Monseigneur Saint-Maclou pour avoir pas mal de... Hein?
de fournitures pour améliorer notre qualité de vie de la... Hein. Ce qui m'empêchera pas de faire un hôtel en l'honneur de Castorama ou de Monsieur Bricolage. Voilà, pour nommer toutes les marques. Il y a Brico Dépôt aussi, qui serait pas mal. La 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 la. J'étais intrigué par ce qu'il y avait sur la table. Voilà, c'est une table renversée, ok. Bon, psychologiquement, c'est déjà... Hein, bon. Il y a quelque chose d'apaisant. Oui, vraiment. Je me sens mieux. Oh, arrêtez avec vos tirs. Alors, sac à dos, encombrement... Non, c'est pas l'idée de... Oui, non, mais c'est ce... mon équipé. Voilà, qui est mieux. Vous êtes encombré. Vous n'êtes plus encombré. Ah bah oui, alors. Elle en défouraille combien, là, au poste de garde? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fête, là, ou quoi? Comment les gens prennent le nom? Ah ouais! Joli! Oui, un lance-pierre, ouais. Elle aura plus facilement accès aux munitions, tu m'étonnes. Ouf! Oh la vache! Alors attends, il y en a d'autres à... Oui, je peux donner un coup de main d'ailleurs. Où ça? Non. Ah oui! Effectivement. Attacher un silencieux pour étouffer le bruit des coups de feu. Faut-il encore en avoir un? Putain, mais il est chiant lui, j'ai tiré dans l'arbre. Faut quand même pas que j'aille l'achever à la main. Oh merde, il y en a un autre là-bas qui arrive. Ah ouais, mais en fait, on est cerné pour de bon là, ils nous ont repérés. On a vu, on va abattre tous ceux du... À quoi elle joue, elle? Elle nous fait la danse d'Hélène, là, ou quoi? Ah! C'est comme ça qu'on fait. Yeah. Non, mais là, je suis de la mouise. Ah, je suis trop loin pour le vraiment le toucher, je pense. Oh merde, j'ai tiré au-dessus de son crâne. Oh là là, mais ils sont trop nombreux. Il va se calmer, lui. Merde, je suis en train de... Oh là là, ça craint du boudin. Ça tourne mal. Bonjour Arsenus, j'espère que tu vas bien. Ah bah bienvenue à Zombie Land. Ouh là là. Non, je pense qu'il serait bon que j'en achève quelques-uns à la main. Parce que là, on perd des munitions précieuses, mais... Ah, c'est le premier. J'ai joué aux deux et j'avais bien aimé. Bah, je découvre, tu vois, et le... je trouve excellent le premier. Même s'il est que solo, je le trouve excellent. J'aime beaucoup l'ambiance. Et la logique de... Quoi, il était rentré dans la propriété? Sérieux? Bah, sur quoi tu tires? Ouf, ce saut. Et je vais bien, merci Arsenus, j'espère que vous aussi. Mais... Attends, mais
elle tire sur quoi elle? Elle est sérieuse? Attends, je sais, je me les faire à la main! Allez, venez tous! Je suis fou! Ah oui, d'accord. Oh vache. Ouais, ça va bien, Arsenas, c'est cool. Ouais, attends, la bouffe, j'en ai ramené, avec un malheureusement un sacrifié. Mais c'est les munitions maintenant qui vont commencer à me faire peur, parce que, comme elle le dit, là, il va falloir se mettre au lance-pierre. Ouh. On a tué pas mal de zombies dans le quartier. J'aime bien, je rentre par la... Attends, cette maison blanche là-bas, elle m'intrigue. C'est pas une maison conventionnelle, c'est pas possible. On dirait une réserve... Dis-moi qu'il n'y a pas de zombies. Non, tu peux pas escalader, t'es sérieuse? Merde! Ah! C'est trop pentu! Merde. Doucement. Calme-toi. Zombie en approche. Ninja. Non, pure découverte pour moi. Un cadeau adorable de la part de Torota. The State of the Decay. Exploitation agricole, mais... Attends, je vais d'abord faire le tour du bâtiment. Apparemment, il n'y a pas de zombies sur le bâtiment. C'est déjà ça. Ah. Attends. Il y a une espèce de grille. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est une espèce de d'exploitation agricole. On pourrait éventuellement trouver de l'engrais qui est une bonne base d'explosifs en chimie, mais... Merde, une coriace, lui. Il avait le crâne solide. Il avait le crâne solide. Non, je ne pourrais pas passer par là. Ouais. À entendre les gémissements, il doit y avoir 2-3 zombies dans le bâtiment. Les gérer, ça risque d'être sport. Allez, ouvre, ouvre la porte. Ouvre la porte! Merde! Ah! Ah! Attends, faut que je m'éloigne un peu, parce que... Oh merde, je suis tombé. Ah, bah ouais, ouais, ouais. Dur. Je veux pas apporter la poisse, mais je pense que nos défenses sont plutôt robustes. Oui. Alors attends. Vous êtes à couvert, restez-y pour pas vous faire repérer. Oui, bah vu comment je suis tombé. Oui, je vais bien, je vais la mine, exactement. C'est ça, Arsenas. Euh.
marchant pas. Votre inventaire ne dispose d'aucun objet utilisable. C'est un scandale. C'est une honte. Je suis à poil. Et ben j'ai eu chaud. Ma hache est déjà bien endommagée. C'est le danger de devoir défoncer une porte en fait. D'ailleurs, il faudra que je fasse le test dans la physique du jeu. Putain, il y a encore du monde dedans. Oh ! Mais et en fait, j'avais dit 4-5, mais non, non, ils sont 10 là-dedans, là. Putain, ça craint. J'ai plus de fusil, c'est ça ? Tant pis, mon grabuge. Quoi, garde-manger, maximum de réserve dépassée. Hein ? Oh la vache. Confirmed. Was that free here? Oui, il y a plus de zombies, ouais. Bah, tu peux fermer la porte pour hein, victoire. Histoire d'avoir un peu la paix. Putain, j'ai gagné un entrepôt, dis donc. Belle victoire. Vache. Tiens, lâche. C'est quoi ça? Une armature. C'est vrai, c'est potentiellement une arme contondante. Je prends. On va peut-être pouvoir bricoler quelque chose de plus violent après. Je présume. Ah là là là. Oh, je peux rester debout, il n'y a pas de zombies aux alentours. Oh, la caisse va me plaire. Strensky. C'est du recyclage. Qu'est-ce que c'est que ça? Sac de matériaux de construction. Justement, j'ai besoin d'un peu de construction. Une masse. Ah ouais, tu crois que je peux prendre la masse qui fait 10 kilos? Oula, attends, je suis encombré, ça va pas. Au secours, au secours, au secours, au secours. Non, non, non. Dépose. Bah, pourquoi je peux pas déposer? Votre meilleure résistance sont pénalisées si vous transportez trop de poids. Mais oui, mais je veux déposer. Oh, merde. Pourquoi je peux pas déposer? Je l'ai pris là, je peux le remettre en place, non? Merde, oh. Attends. Ah non, je peux plus... Oh, c'est mal foutu, ça. Oh, je suis déception. Oula, il y en a des zombies. Ah merde. Putain, mais pourquoi il y a autant de zombies? Ils sont nombreux, c'est con. Merdoum, puis la nuit est passée. Oh merde, 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 merde. Ouf. Ah! J'avais pas vu qu'il y en avait un derrière moi! Au secours! Mais quelle horreur! Non, coupe pas. Après explorer un certain temps, vous fatiguez. Bah oui, je pense bien. Oh merde. Allez, escalade, ma grande. Ouais, viens. Alors, je vais essayer de rejoindre mes copains. Pourquoi je vois autant de points rouges? C'est bizarre. Ah ouais, d'accord.
Ok. Ah ouais, parce que ils se sont infiltrés dans la base. Ah merde. Ok. Oui, ça craint. Ah, ça déconne zéro, quoi. Oh la merde. Dur. Dur, dur, dur. Voilà. Ouais. Mmh. Ouais, je comprends qu'il y a de la fatigue. Putain, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'elle peut prendre en soin? Aspirine, douleur, antalgique, snack. Ouais, faudrait peut-être qu'elle mange. Ouais, peut-être qu'elle mange. Alors, attends. Oh vache! Y'a du guabuge! Il est là, je suis levé! Y'a encore tout plein de zombies à patater! Il ne cesse d'approcher, on va se faire dévorer! Oula! Quoi? Mais comment qu'il est rentré lui? Hein? Donc il y avait du matériel de construction. Attends, faudrait que j'attire. Ouais, ouais, qu'elle les flingue parce que ça me permettra de revenir à la baraque et ramener les éléments de construction. Ah merde! Magnifique. Ce qui s'appelle se faire planter. Alors, encore? Où est-ce qu'elle en a vu? Elle tire où? Quoi? Ah merde! Ah mais ils ont pété les barbelés, c'est con. Oh, attention. Oula! On y allait à 3, on s'est bousculé là. Merde, il faut refaire des barbelés là, arrêtez. Ah ouais. Oh les salopards. C'est n'importe quoi. Bon alors. Oh, la pauvre, elle a plus d'énergie. Doucement. Attends, on va y aller doucement, on va retourner à la baraque. La baraque, il y avait... Enfin, la baraque. Le hangar d'exploitation agricole, là. Qui avait du matos de construction... Que je sais même plus où c'était, c'était par là-bas, je crois. Eh, il y a pas mal de zombies, quand même. Chagrin du boudin. L'endroit est vraiment malsain. Pipi. Oh la vache, les salopards. Va mourir. Oh merde, j'avais pas vu qu'il y en avait une autre. Mais non, mais... Mais les nunuches, elle. Merci. C'est comme ça qu'on fait. Oh merde, il y en a encore là. Mais ils sont combien? Ils sont trop nombreux, ils sont légion. Au secours. Va mourir, va monoche, va monoche. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Ça va, y a pas de vilain dedans depuis. Bon. C'est ça, tout va bien. Alors.
Matériaux de combat. I'll run this home. We'll be ready. Ok. Je préfère faire plusieurs allers-retours et ne pas trop me flinguer d'énergie. Ce sera tout bénef. Bien, il y va au pas de course sans trop se bouffer l'énergie. C'est beau, j'adore. Hein. Je gagate, hein. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est vachement réaliste, c'est vachement bien fait. Tout va bien pour moi. Oh là, il y a un zombie là. Titalikatan. Oi, oi. Ouais, je vais passer par là où il n'y a pas de barbelé. Hop là, accès plus direct à la base. Oui, c'est un bon jeu, ouais, ouais. Franchement, j'adhère totalement, j'adore. Alors, matériaux de construction. Ouais, Lily qui dit que c'est super. Ah bah ça y est. Ils m'ont shippé le truc, visiblement. Réduit le son de l'arme à feu. Il devrait durer 30 coups. Oh, tu parles. Garde ça pour les missions d'infiltration, oui. Ouais, je vais prendre un peu des snacks parce qu'à un moment j'aurais besoin de manger un morceau. Bon, bah, je refais un aller-retour pour aller chercher les autres matériaux de construction. Histoire qu'on puisse bâtir je sais pas quoi. Et là, sans déconner, il va falloir refaire les barbelés. Hein. C'est une faille dans la sécurité béante. Merde, vilain zombie. Va mourir. Bleh. Allez, au pas de course. Une, deux... Ah non, là, tu peux pas. Oui, tu vas te casser la figure. Merde, il y a un zombie, oui. Oh là, il y a plein de zombies, en fait. Hé, hey, ils se régénèrent vite, les vilains. Lui, il est mort. Aïe. Joli. Cette dextérité. La dextérité dans le crime. Ah, attends, il y a le truc là, et là il n'y avait pas un autre contenant. C'est pas un contenant. Si, c'est un contenant ça. Oh, carburant. Ah merde, c'est vrai que c'est lourd. Hein. Putain, c'est pas un petit jerrycan. Hein. Bon bah il y aura encore un aller-retour. Eh cool pour les côtés motofs, ça me plaît. Attention, marchandises de haute qualité stratégique. Il faut pas que je meure. Tu-du-dut. Ta-ta-di-ta-ti-ta-ta. Comment ça, derrière moi, il y a beaucoup de zombies? Ah, merde, j'ai des poursuivants. Oh, encore plus palpitant qu'à la carte au trésor. Alors lui, il m'attend à l'angle, le salopard. Va mourir! Oh, merde! Bah, appuie-moi un coup de fusil. Ah, elle est peut-être un peu loin, j'avoue. Elle est peut-être un peu loin. Hop là. Ninja style. Yeah. Ressources gagnées, ressources livrées. Oh, tu sais, des trucs. Petit jerrycan, c'est bon ça. Allez, mange un morceau parce que tu me fais mal. Voilà. Les zombies, laissez-moi tranquille, achetez-vous une vie. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ah merde, mais j'ai plus d'appui en fait à... Ouais, elle est partie faire dodo, tu me diras. Elle a... Je crois qu'elle a pas chômé de la nuit, elle a pas dormi. Oh, chez la guerre, thermonucléaire. Va mourir!
Yas! Alors, zombie free or not to be. On s'est juré de tous les éradiquer. Raconte pas n'importe quoi. Confirmed. Was that free here? Oui, bah pour le moment, il n'y en a plus à l'intérieur, mais. Unloaded up. See you back at base. We'll be ready. Merde, il m'a repéré ce con. Oh! Allez, au pas de course. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ouais, ouais. Da 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 di da da di do di do da di di do do. Ouais, allez! Ouais! Elle l'a fait, elle l'a fait. There you go. Ah. Can't say I never gave you anything. What you got? Oh, you know. Des matériaux de construction, ma grande. Des matériaux de construction. Alors. Alors attends, endommagé, support de microphone, la masse, tuyau rouillé, armature, clé en croix. On en reste marqué, ouais, tu m'étonnes. Moi j'ai mon truc de cricket là, qui pèse bien lourd d'ailleurs. Mais bon, c'est mieux que rien. Le fusil. La Fuji. D'ailleurs, le fusil. Attends, je peux le prendre en main ou pas? Oui. Le recharger, c'était comment déjà? Ah, c'est. Mais non, je peux le recharger normalement. C'était table la recharge, non? Non, je sais plus, merde. Comment on fait pour recharger? Je sais plus. Ouf! Ouais, non, tu parles un silencieux au bout du fusil. Waouh! La classe, la demoiselle que j'incarne. Tadam! Cette femme est dangereuse. Stylé. Ah, et ben, c'était sympa pour une première partie. Cette balogure, c'est cool. Sauvegarde automatique, confort, cool, bien. Yeah. Ouais, succès. Ah ouf. Oula, 5 succès sur 72. Le 2 en coop est intéressant aussi, bah oui, je pense bien. Qu'est-ce qu'il y a, Tunsen? Classique Marathon 2. Oula. Merci, tu une scène. Wouh. Terrible. C'est un jeu gratuit. Oui, merci, tu une scène. Vivi. Ah, Colibria. Oh, ça faisait longtemps que... Jardinage et magie, elle fait... Horticular. Sacré Colibria. Pour ceux qui connaissent pas Colibria, attendez, je vais lui faire un peu sa pub. Alors, Colibria, elle est très forte. Un FPS avec des gros pixels. Oui, ça va me plaire, Tunsen. Merci. Colibria, pour ceux qui la connaissent pas, elle est vachement douée pour... Alors, elle le faisait davantage jadis, mais là, elle a moins de temps. Et c'est dommage parce qu'elle est sacrément douée. Colibria, elle fait pas mal de jeux indépendants. Et son jeu favori, hein, pour pas vous le cacher, son jeu favori, c'est Stardew Valley. Je la comprends.
Voilà, très bien, sa description, c'est exactement ça. Alors, petit moment de flottement. Alors, attends, j'essaie de voir le jeu dont tu m'as parlé. Twin Sen. Classique Marathon 2. Classique Marathon 2. Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Oui, on. Ouais, de Steam. Oh, je peux le faire comme ça. Book. Normalement, faut que j'aille dans le magasin à la une. Non, oh, mais qu'est-ce qu'il me. Oui. Alors, classique marathon de gratos. Qu'est-ce que c'est que tu m'as trouvé? Oula! Attendez, faut que je vous montre. Ça a le mérite d'être intriguant. From the. Alors, de l'équipe qui a fait Alf Wen, classique FPS, science-fiction. Yorandal from Buggy, Mac Modern Hardware, Fun Community. Alors là, t'es allé me chercher un truc que je ne connais pas. Oh là là, ça a l'air très coloré et délirant. Oh, bonne mère. Ouais, à l'occasion, pourquoi pas. Je vais... Ouais, l'ajouter à la bibliothèque. Merci, Twin Chain. Un contact de ce jeu. Un HMAN. Excellent. Ouais, c'est original. 100 mégas d'espace libre. Ouais, il a l'air assez petit, mais ouais, pourquoi pas. Et bébé. Alors la vidéo donne quoi? On va se regarder le trailer ensemble. Pas trop fort, doucement. Oh. Oh. Oh le bordel. Oh les gémissements. Fusil à pompe dans chaque main. Mais bien sûr. Oh le délire.
Et eh ben dis donc. Marathon to Durandal. Durandal pour donner des mandales. Non mais arrête de me la jouer en boucle. Fini, oui. Donc comme j'aime mal dire, ça a le mérite d'exister. Très original. Alors attends, question... Mon cher Twinsen. Un jeu subtil, oui, on va dire ça comme ça, Arsenas. Il est sorti le 12 juillet dernier. Ah ouais? Ah, j'ai même pas fait gaffe. Eh ben dis donc. Donc du coup, je sais plus. Twinsen, t'es disponible pour un jeu en multi là maintenant ou pas? Je sais plus ce que tu m'as dit par rapport à ton 14 juillet. Parce que là, tu vois, ah toujours. J'adore ta réponse, pleine d'enthousiasme. Si besoin. Bah, est-ce que ça te dirait qu'on se refasse une nouvelle session de restaurant? Le à une main. Ça démarre en 3 secondes. Ah bah oui, tu m'étonnes que ça te change de ça démarre en 3 heures. C'est la révolution à la maison pour toi, Twinsen. Le resto ou le braquage? J'ai pas encore le resto, je préfère. Parce que le resto, si tu veux, j'ai pas encore toutes les subtilités du resto. Et promis, la prochaine, on se fera le braquage. Je sais, tu me l'as bien vendu. Ça a l'air complètement délirant, le braquage à une main. Mais le resto, je suis d'ailleurs, je t'avoue que je suis un poil vexé par notre jeune Edge, notre Benjamin de l'équipe, qui est parvenu à déverrouiller des succès de réussir à servir 50 plats sans ingrédients bien cuits. Moi, j'ai rien de tout ça, à part avoir eu les entre guillemets succès de foutre le feu au resto. J'ai eu tous les succès foutre le feu. J'ai pas réussi à faire le moindre. Attends, déjà on va se retrouver en vocal si tu veux bien. On va se faire une vocale privée entre nous, peinards. Je sais pas si d'autres nous rejoindront. Je sais pas si Torota, est-ce que tu te sens. Est-ce que t'es intéressé, Torota, si tu m'écoutes d'ailleurs. C'est là où t'es parti faire ta sieste, j'ai même pas fait gaffe. Si Torota t'es intéressé de faire le... Arsenos, si tu veux te joindre à nous. Arsenos, attends, tu connais peut-être pas le jeu, c'est un jeu... Ward Armed Cook. Regardez. Il est gratos. One Armed Cook. Ah, t'es sur Minecraft, Torota. Et ben bon Minecraft à toi, Torota, t'as raison. Y a pas de souci. Attendez que je déclare la bonne catégorie, moi. Déjà, ça va vous aider à savoir à quel jeu je fais muse.